Ouais, on va y aller. Hein. Salut Gali! On va y aller. Hein. On va y aller. Allez, on a assez parlé. 21h17. J'espère que vous êtes prêts pour ce live sur Song of Horror épisode 5. C'est parti, on y va. Let's go. J'ai trop envie de commencer. Donc, l'épisode 5 se nomme L'horreur et la chanson. Alors, si je fais ça. Ouais, ça marche toujours. Pour les cinématiques, je crois que je vais cacher la cam. Hein. Pour être immergé, ouais. Je vais cacher la cam, ok. Tu fais monter la tension, Touchik, c'est vrai, Zazu? Let's go. Épisode 5. C'est parti. Husha died in there, trapped. He probably struggled and screamed until he went mad trying to find a way out of that godforsaken place. Like me, only in his case, nobody got there in time. I imagine he thought that there was a quicker way to go, the same way that Father chose. And maybe I would have done the same in his place. What I saw myself do in that mirror was just too much. Is this what lies ahead? Maybe I already know it, but I'm trying to hide it from myself. Maybe deep down, I know it's a hideous omen of what the future has in store for me. Maybe I know that, like everyone who's come across that cursed box, I too will take my own life. That I would rather surrender to death than face whatever it is that lingers behind that infernal melody. I should burn the thing. Make that melody vanish from the face of the earth. She's can stop this. I can't destroy it without knowing for sure. Maybe there's something in LeGrand's diary. Oh God, I need to rest and gather my thoughts. I need to sleep. I can only hope the nightmares won't be as horrible as real life. I need to find something. There must be something here. Faber, Husha, every single person who attended that cursed concert in the Abbey, the entire LeGrand Arnsberg family, and I, we all heard the song. Argos LeGrand's diary, which I found in that place beyond reality, was my only hope of unveiling something, anything, could take me down a different path than the rest. And yet, LeGrand's notes seemed like nothing more than erratic and incoherent ramblings of a broken mind, so demented that no one could put them together in any order, much less understand them. But I found something towards the end that made some kind of sense. Although, I wish I hadn't. It's all over. Just a moment ago, I, like every night, the song was invading my dreams, grating incessantly. I woke up, soaked in sweat, and veiled by the shadows. Natalie was sleeping, but I was not. This time, it had to stop. I was hell-bent on destroying the source of that awful song. I went down to the basement and tore down the same wall I built myself. With each blow, I cursed the moment I decided to bring that melody into my home. I couldn't take it any longer. There she was, behind the wall. My wife, huddled in a corner, holding Elaine in her arms. I froze.
creature was sleeping by my side. Monsters. All of them. My beloved Elaine, Natalie. The monsters had locked them away and wanted to take Ariadne. They wanted to take my baby. I grasped the mallet, determined to do whatever it took. I would not allow those fiends to take my daughter, not without a fight. They would rue the day they tried to harm my family. I would kill the monsters and the black figure and find my little girl. I followed them throughout the house. Every room was shrouded in darkness. There was something unnatural in the air. The melody had transformed into a choir of blood curling howls. But I finally cornered them in the bedroom. I finished them off. I drew blood, and it flowed like a well from the grotesque black figures while they screamed and writhed, the vile, deceitful fiends. And then I went back to the basement, and there was nobody there. Natalie and Elaine had disappeared. No, that isn't true. They had not disappeared. They had never been down there. They were upstairs, in the bedroom where I had left them. There were no monsters in the house. Except me. Only me. Only me. And the presence. Prestigard. Oh, Christ, I can barely stand up. I really need help with this. Ouais! Ok, donc là, on a vaincu. Alors, attendez, juste avant, je vais régler un petit truc au niveau du son. C'était pas mal. Là, on a vu des trucs intéressants. Hop, hop. Hop, voilà, c'est good. Voilà. Du coup, on a vu les grosses, la famille Legrand au grand complet. Enfin, au grand complet. J'avais l'impression de voir le film Amityville, où le père de famille est possédé, il tue sa fille et sa femme, et il finit par se pendant. Voilà, c'est ce qu'on a vu en gros. Alors, la famille Legrand, c'est ceux qui ont découvert la boîte à musique. Ils sont tous morts. C'est la famille originale. Ah, Daniel n'enverra qu'une seule personne à l'hôpital psychiatrique. Oh non, ça va être dans un hôpital psy. Oh la vache, on n'a qu'un personnage. Oh, on n'a pas le droit de mourir. Si on meurt, on est foutu. Ok. Ok, au final, je vais essayer de vraiment pas mourir. Ah oh, merde. Ouais, c'est vrai qu'ils sont morts, les autres. Ouais. Oh. Bon, du coup, ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Hein. Nous qui savions pas où ça se passait. En tout cas, pour l'instant, ça se passe dans un hôpital psy. Ok. Là où a séjourné le père Legrand. Hein. Celui qu'on a vu dans la cinématique, là, qui s'est pendu. Bah, écoute, let's go. Hein. Allez, Salgari, c'est parti. Lydia, guess what? I need your help. T'aurais pas dû répondre, Lydia. I'm very sorry for calling this late, but listen. I found something. It's only a small lead, but it mentions everything and has the Jeremy Hartwood Hospital stamp on it. Yeah, that's the one. I know it's a bit far, but I think someone there, a Dr. Berenice Prestigard, read this diary years ago and looked into this madness way before we ever did. It says 1920. There must be something left of her research. If I'm not mistaken,
The hospital was abandoned shortly after World War I. Super. So maybe everything is still there. Her notes, her files, something. No. No, I think I'm running out of time. I feel bloody exhausted. I can no longer tell the difference between reality and my hallucinations. I need you to look for something, anything, and call me. I know it's a lot to ask, but I don't want to end up like the rest. And something tells me I should visit Ariadne one last time. Yeah, take your cell and call me if you find anything. As soon as I find out what Dr. Prestigard was investigating, I'll drive over to the Grant Amersburg mansion. Ah. Yeah, good luck to you too. And thanks. Ok, donc le manoir Le Grand, on va devoir y aller, hein, je pense, dans cet épisode. Pour l'instant, c'est l'hôpital psychiatrique, et je pense qu'après, on va se diriger vers le manoir de la famille Le Grand, là où il y a eu le massacre. Hein. C'est presque sûr. Oh, il est beau cet hôpital psychiatrique abandonné. J'aime beaucoup. An old mental health institution for the rich turned dump, or something worse. Oh, ça fait bizarre de rejouer, hein, après tout ça. Oh, il y a des crows. Il y a des crows ici. Regardez, vous êtes nombreux. Hein. Ça, les crows. Et... Ah non. J'allais dire, ah, il s'enfuit pas, mais ici, en fait. Ok. Ok. Checking de l'extérieur fait. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti, attention. L'hôpital psychiatrique. Une fois rentré, on n'en ressort plus. On va écouter aux portes. C'est safe. L'horreur et la chanson. Merci beaucoup, Siraya, pour les 100 bits. Allez, un peu de courage, Toshi, zéro mort. Putain, ça a l'air sombre. Il est très sombre, l'épisode 5. Ce panneau contrôle où va l'alimentation de secours, mais il n'est pas alimenté. Ok, on a un panneau de contrôle dès l'entrée du manoir. Enfin, de l'hôpital. Qui va la nuit seule dans un hôpital psy abandonné? Bah écoute, c'est pour faire plaisir à Daniel. Hein. C'est pour faire plaisir à Daniel. Hein. J'ai toujours aimé l'art marin. C'est quand même pas mal. Hein. Pouah, ça fait froid dans le dos, cet hôpital. Il y a une agrafeuse de l'autre côté de la vitre sur le bureau. Oula, ça commence direct avec un choix. Dois-je essayer de prendre l'agrafeuse? C'est risqué, mais je pense pouvoir faire passer mon bras dans ce trou, les crows. Est-ce une bonne idée de passer notre bras dans ce trou? Ah, vous me dites que non? Non, c'est pas une bonne idée, hein, on est d'accord. Ah, c'est pas drôle, une bonne idée. Hein. Oui, ça pue. Ça dépend, tu as besoin de ton bras. Bah écoute, deux bras c'est toujours mieux qu'un. Hein. Non mais attendez, si on meurt dès le début, c'est affreux. Je peux pas me permettre de mourir maintenant. Je vais attendre. Je vais pas la prendre tout de suite. Je vais fouiller un peu. Et on reviendra. Je vais pas tenter maintenant. Non, j'ai des couilles, mais pas si grosses que ça, les crows. On dirait qu'on a jamais pu les déplacer. Hein. Est-ce qu'on peut rentrer ici? Merde, j'ai pas écouté. Oh putain, quel con. J'ai pas écouté à la porte. Ok. Personne. Let's go.
Du coup, on a toujours notre map. Ça va être très important de... Donc là, c'est l'extérieur ici, l'entrée ici, et nous, on est parti vers la gauche. Vers le réfectoire. D'accord, on est dans le réfectoire. Le réfectoire. Oh, regardez. Oh, putain, ça, c'est tout ce que je déteste, ça. Tu vois, ça pourrait très bien être quelqu'un là-dessous, hein. Salut, le parano. Ah, c'est un hôpital de riches. Oh, c'est bien fait. Qu'est-ce qu'on a là? Something in the table. Une vieille photo déchirée dans une crise de colère ou de désespoir. Peut-être que je pourrais le remonter. Ah! Alors là, il va falloir brancher ses neurones. Ah oui, en plus on peut orienter le... Ouh là là. Alors ça, c'est le genre de truc qui peut être très long. Ça, c'est le genre de truc, les crosses, qui peut prendre un temps fou. Oh putain! Regarde une solution au pire pour la photo. Bon, vous savez quoi? Il est 21h50. Je me donne jusqu'à 55 pour finir la photo. Si à 55, on n'y arrive pas, je regarderai une solution. Voilà, pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, bah non, mais c'est ça. Fouf! Eh ben, dis donc. C'est validé. C'est validé. Oh, merde. Oh, non! Ah! Qu'est-ce que je dois faire? Je vais pas mourir, quand même. Oh, putain! Aïe. Elle est où cette saleté? T'es où saleté? Saleté! Allez là! Ok, ok. Vous avez vu? Ils sont jaloux de mon talent de recolleur de photos. Ok, on l'a eu. Oh la vache. Putain, ça attaque direct en fait. Ça attaque direct, hein. Ouais, je l'ai aveuglé, hein, avec ma lumière. Ouais, je l'ai aveuglé. Je l'ai complètement aveuglé. Ah, bah voilà. On n'était pas encore venu ici. Parfait. Ouais, c'est bon. Quelqu'un a utilisé ce câble pour s'assurer que la poignée ne bouge pas. Ce n'est pas trop tiré par les cheveux de penser que le câble pourrait m'être utile. Ah putain, on a trouvé. Alors, je pense que le câble va nous permettre de prendre la graffeuse. Le truc, c'est est-ce qu'on prend le câble? Ça sent le piège, mais ça sent le piège. On va se faire empaler. On va bouffer un crochet, Silver. On va bouffer un crochet. Bon, allez. Prions le petit Jésus, s'il vous plaît, Seigneur. Faites qu'il ne m'arrive rien. Merci, Seigneur. Câble. De toute évidence, cela tient toujours. Regarde-moi ça. Ça a maintenu la porte fermée. Dieu sait depuis combien de temps. Oh! On est mort? Non! On est vivant! On est vivant! J'ai cru qu'on était mort. Mais pareil, Bibouche. Vous aussi, les crozes? Vous aussi, vous avez cru que c'était la fin? J'ai vraiment cru que c'était la fin.
Je me suis dit, putain, ça y est, c'est fini. Donc logiquement, si je dis pas de bêtises... Non ? Ah, c'est pas le câble. Ah putain, le câble nous sert à autre chose. Le câble nous sert à autre chose. Sûrement l'électricité. Sûrement l'électricité. Ah, je dois attacher le câble à la poignée. Ok, donc on va combiner la poignée et le câble. Et on va utiliser. Voilà ! Einstein, des temps modernes. Yes. C'est good. On a de la lumière. La lumière fut. La lumière fut. Zéro mort. Alors du coup, est-ce que ça marche ici maintenant? Ah, alors ça va peut-être marcher. Ascenseur morgue sécurité. Ok, on peut en allumer qu'un à la fois. Bah écoute, j'ai envie d'allumer la sécurité, moi. Parce que j'ai pas vu de morgue et j'ai pas vu d'ascenseur. Putain, regardez-moi cette ambiance, quoi. Regardez. Stylé, hein. Du coup, on peut toujours pas prendre la graffeuse, ok. Venu. Ah, attendez. Attendez. Shit. Ah, le code. Ouais, mais on l'a pas, le code. Ah, il nous faut cette agrafeuse, les crozes. Le code est derrière la photo, j'en suis sûr. On n'a pas le code. Ah bah attends, les chiffres on les a. Bah attends. Tous les chiffres du plus haut au plus bas figurent sur la photo 7. Je vois pas de chiffres sur la photo, moi. Tous les chiffres du plus haut au plus bas figurent sur la photo. Ah, détective Toshi, il va prendre son week-end, je crois. Il va se prendre une semaine de congé, là, parce que... Le pire, c'est qu'on a réussi à faire la photo. C'est ça qui m'embête, c'est que on s'est cassé le cul à faire la photo, et on n'arrive pas à finaliser l'énigme. Il est 22h30, on est bloqué là. Oh, il est 22h30! Hein? Attends, ça fait 1h30 qu'on live? Non, c'est une blague. Ça fait pas 1h30 que j'ai lancé le live, là. Quoi? Eh, j'avais pas vu l'heure, en fait. J'étais là, tranquille, c'est les vacances. Ouais, petite énigme et tout. Et là, je vois l'heure, putain, 22h30. On va peut-être brancher nos neurones, là. Non, mais non, c'est abusé là. Je sais pas si c'est trois chiffres, Gali, je sais pas. Mais c'est. Putain, ça commence à saouler cette histoire de code là. Je commence à être à court d'idées, les crozes. Hein. 7, 6, 4, 3, 3, 3, 1. Ah! Merde! Putain! Oh, salope! Allez! Ah! Putain! I don't know how I managed to get out. Bon, il me faut le code là, nique sa mère. C'est quoi? 7, 6, 4, 3, 3. 3, 1.
putain, on a trouvé. C'était ça. C'était ça, Lyon. On a le code. Ah, mais alors, je suis dégoûté parce que... Bon, je suis content parce qu'on s'est débloqué. Mais je suis deck parce que, putain, comment on trouvait ce code? 7643331. Je sais pas. Et ils ont craqué. Hein. Bon, on continue. On écoute au portail. On reprend les creuses. Après 1h30 de galère, nous reprenons ce magnifique épisode 5. Ok, let's go. Ah. I see some notes there. Let's have a look. Ah bon, on a trouvé les notes. Ah, Dr. Baroness. Bah voilà. It's a good start. Bah voilà. On a les notes. Session with Ariadne was by far the most productive to date. Not because of the conversation we had, for her mind continues to adhere to the usual extravagant patterns. But because today, she asked to get her things back, which led me to a surprising discovery. Down in the storage room, I was convinced I would not find any of the belongings taken from her when she was admitted. But there was nothing further from the truth. There was a diary and a music box. After handing the box to Ariadne, I quickly browsed through the diary, which apparently belonged to her father. And that's where it gets interesting. After years of researching paranormal phenomena, Argus Legrand's investigation led him to the Abbey of Saint Cecilia. Bon, ça on sait déjà, du coup. Where a cursed concert had supposedly taken place. After spending a considerable amount of money, he got his hands on the only remaining sheet music from the concert. Okay. And convinced an acclaimed musician to play the music one more time. Okay. The new cursed concert would take place on a steamer that would sail down a few weeks later, and both Legrand and his assistants would be there to contemplate the true effects of the song. After the concert, the tycoon wrote the following in his diary. Those ignorant, illiterate fools. I can only laugh at their curse and their stupidity. The only misfortune that damn song has brought is a hole in my bank account. Alas, at least I take the melody with me. I will have it recorded and play it each day for my family. Ha! Those drunk, lazy bastards. Their misfortune was caused by their own stupidity and bad blood. Wanting to put the blame on a song is yet another sample of their total lack of culture. Argus Legrand never knew that the steamer suffered a strange accident just hours after he got off that killed everyone on board. And yet his thoughts on the melody eventually changed. They did indeed change. I can't believe it. Daniel wasn't exaggerating. This is much worse than I ever imagined. Vous avez compris ou pas du coup? Vous avez réussi à lire ou je fais un résumé? Ouais, du coup, et par contre, les creuses, faut vraiment m'expliquer avant qu'on continue comment on trouvait le code là. Le 7334567 là. Comment on faisait? Attendez, je vous lis. Ah, d'accord. Non, mais c'est des malades, Silver. Non, mais attendez, les creuses. Silver est en train de dire que pour le code qu'on devait trouver, écoutez bien, hein, il s'était lié au nombre de personnes, à celles qui sont debout ou assises, et assises, à la couleur des fringues, aux moustaches. 7 comme 7 personnes, 6 en blouse blanche, 4 debout, 3 assises, 3 mains jointes, 3 moustaches, 1 habillé en noir, 7, 6, 4, 3, 3, 3, 1. Non mais, on est d'accord, hein, on est d'accord les croisants. C'est une énigme de merde, hein. Là, je veux qu'on soit d'accord là-dessus. Hein. J'aurais... Mais attendez, mais comment veux-tu, quoi? 6 blouses blanches, 4 debout, 3 assises, 3 mains jointes, 3 moustaches, et 3 qui se torchent le cul aussi. Non, bah attends, mais... Non, là, je suis pas d'accord, là. Ouais. Bon, continuons. Allez. On se concentre. Nouvelle zone. Ok. L'aile... Est. Mais c'est pas dans l'aile est qu'il y avait des bruits bizarres? Eh, c'est pas dans l'aile est qu'il y avait des trucs chelous? Que les démolisseurs, là, ils se sont barrés à cause de l'aile est? Bonne nuit, Cachou. Oh là là. Y'a quoi sous ces draps, là?
Je pense que le projecteur fonctionne toujours incroyable. On dirait une archive de documentation audiovisuelle de l'époque. Il pourrait y avoir quelque chose d'utile là-dedans si j'arrive à l'ouvrir. Ouais, va falloir ouvrir cette armoire. Y'a quoi en dessous de ça là? Ce n'est qu'un mannequin. Je pensais que c'était quelque chose d'autre. Ouais, bah pareil, ouais. Et ils vont pas nous refaire le coup du projecteur. Hein. Là, ça serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Et s'ils nous refont le coup du projo là dans l'épisode 3, moi je. Ah non. Ok, donc on a un projecteur ici, bah très bien. Il faut qu'on trouve un film. Et donc il faut qu'on trouve un truc pour ouvrir cette armoire, ok. Très bien. Let's go! Ah, un étage, ça fait plaisir. Ambiance. Bon, prions, c'est pas grave, restons positifs. Prions pour qu'il n'y ait plus d'énigmes de ce genre. C'est qu'un mauvais souvenir, c'est un lointain souvenir cette photo. Allez, go. Là, on est bien reparti, les crocs, on a trouvé les. Non! C'est pas vrai, on va mourir comme ça. C'est pas vrai. Je sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait. Not a good idea. I should have gone myself. Oh, damn it, Daniel. Don't be such a crybaby. J'ai oublié comment on fait. Oh non, ce putain de cercle blanc. Ce putain de cercle blanc. On en avait chié dans les autres épisodes. Je sais plus comment on fait ça. Je sais plus. Bon, par contre, on recommence pas. Vous avez vu, Daniel va directement sur les lieux. Hein. Daniel se bouge, hein, c'est pas fini. Hein. On a encore Daniel. Allez, on a encore Daniel. Putain, c'est incroyable. Bon, Danny. Je suis mauvais, c'est ma faute. Hein. Je comprends pas ce truc. Ouais, si Daniel meurt, par contre, on recommence. Hein. Si Daniel meurt, c'est terminé. Hein. Comment on fait, je sais plus, avec LTRT là. J'ai totalement oublié ce système. Et j'espère qu'elle va pas revenir, hein, la morveuse là. Et j'espère qu'elle va rester dans son trou. Hein. Je veux pas la revoir, hein, sinon je suis mort, hein, je vous le dis direct. Hein. Si on la recroise, je suis dead. Hein. Moi j'arrive pas à faire ça. Ouais, on croit en Danny. Hein. Danny, c'est the man. Only the man. Ok, elle a disparu, c'est bon. Danny. Ah, ça fait du bien de te retrouver, toi. Un violoncelle. Ceux qui vivaient ici devaient vraiment adorer la musique. Étant donné ce qui s'est passé, peut-être qu'ils aimaient un peu trop ça.
Daniel Best Boy, on y croit. Merci Siraya, merci beaucoup. Pour les 100 bits. L'ouverture atteint l'autre côté du mur, mais elle est recouverte. Je me demande s'ils ont fait exprès. Il faut vraiment que je me concentre quand... On va la recroiser de toute façon. Hein. Je pense vraiment qu'on va la recroiser. Hein. On va la recroiser, hein, cette femme-là. Faut que je me prépare. Hein. Putain, j'y arrive pas, c'est incroyable. Une armoire de premier secours. Hein. La serrure semble cassée. L'ambiance est là en tout cas, hein, putain. Il y a un verrou sur cette porte. Complètement fermé. On a toujours pas la graffeuse, c'est vrai. Wow! Ah, il a pas envie que je rentre lui, hein. Ah oui. Il y a quelqu'un là derrière. Ouais, non. Non, je tombe pas, je tombe pas. Ok, c'est fermé, bon. Ok. Oh putain. Connu ou pas? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis un bon pianiste? Yes! Putain, je suis chaud, ça. Je me suis chauffé là. Ah, faut pas me chauffer moi avec un piano. Hein. Je deviens fou. Hein. Ah putain, encore une énigme. Ah non. Information. Attends. Information. Putain, je vois rien. Pourquoi je vois rien? Faut éclairer les gars. Ah. N'aime pas la lumière, mais elle est... Ah ! N'aime pas la lumière, mais elle aime la chanson. Moi, je veux voir les notes. Faut éclairer, faut qu'on éclaire cette pièce, à mon avis. Il faut qu'on éclaire... Ah, d'accord, et il faut péter ça. Oh, attendez, je tiens un truc. Oh, putain, je tiens un truc. Dites rien. J'ai une idée. Dites rien, mon cerveau est en train de chauffer, là. J'ai les cerveaux en fusion. Dites rien, les crosses. Je tiens le bon bout. Je tiens le bon bout. Putain. Interesting. Et d'accord. Et du coup, là, la lumière de cette pièce va passer à travers les bouts de bois. Ce qui va éclairer la pièce d'à côté pour nous permettre de voir ces putains de notes. C'est pas beau ou pas ça? C'est pas beau ça? Bon, il y a plus besoin de screenshot du coup. Ah, des fois je me... Je sais pas ce qui m'arrive. Des élans de génie. Des élans de génie. Ça monte d'un coup. J'arrive plus à m'arrêter, c'est... Pouf! Une lumière qui se... Eh ouais, le talent, des fois, il vient pas. Bon, là, il est venu, tu vois. Là, il est venu. Bon. Ah, putain, ouais, vous avez peut-être raison, attendez. Ah, vous avez peut-être raison. Elle n'aime pas la lumière. Ah, putain, il faut jouer que les notes éclairées. Ah non, il faut jouer que les notes sombres. FSY. Ah, c'est bon. Yes! Touche de piano. Une clé retirée d'un piano à cause du son particulier qu'elle fait. Ah, il y a une clé dedans. Regardez. Il y a une clé dedans. Voilà!
Cette clé ne semble pas être celle d'une porte. Ah, c'est une clé de tiroir. Ah. Ouais, elle est petite, hein. Bah voilà, les crozes. Team Obscurité. Donc, fallait bien jouer les notes de... dans l'obscurité, hein. Ouais, bien joué, les crozes, bien joué. Vous avez vu, quand on connecte nos cerveaux, moi, j'avais le cerveau passage de lumière, et vous, vous aviez le cerveau note sombre. Et à nous deux, connexion, bam bam, et il est résolu. Oh, what the fuck? C'est quoi ce bordel? Bon bah très bien. Donc on est bien sur une clé de tiroir. Ah, la salle du projecteur, putain, Bibouche, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Bibouche, c'est ça. Hein. Ça ouvre l'armoire de la salle du projo, bien joué. On y va, on court. On court, on y va. Ouais, ouais, bien joué, bien joué. Ici. C'était où? Non, c'était là. C'était ici. Hop! Voilà, ça ouvre ici. Voilà. À un moment donné, on me la fait pas, moi. Un vieil enregistrement audiovisuel. Bah, je prends. Je prends. Je vais l'utiliser, ouais. Vas-y, fais péter. This looks interesting. Fais péter. Je le sens mal. Ce genre de scène. Ah non, c'est bon. 1920, interview avec Ariane. Ah, je joue. Ah, énorme, je joue la psy. Ah, je joue la psy. Ah, mais Ariane, c'est la fille de la famille Legrand. C'est pas vrai. Ah, c'est la fille. Oh. Hi Ariadne. How are you? Do you feel like talking today? Vous arrivez à lire les sous-titres? You know, I think you're right, but I don't see things like you do. Elle a pas très envie de parler, la petite, hein. If you don't feel like talking, you can draw. Whatever comes to you first. Je dois donner quelque chose à Ariadne pour qu'elle puisse décider. C'est quoi ce nom, Ariadne? Il y a une boîte avec des peintures sur la table. Ah oui. Ok, on lui donne. Turn off the light. It doesn't like the light. The light. Who doesn't like the light, Ariadne? Putain, elle est possédée. Il faut l'égorger. Bon, ok, on éteint la lumière, mais... Who is that old lady? It's me. We can listen to your box if you want. Sometimes I hear you playing it when I pass by your room. La boîte à musique. Attends, la petite fille nous dit de couper la lumière et de mettre une boîte à musique. C'est quoi cette ambiance de merde là? Non. Non, you don't hear them. Screamer incoming, ouais. Baissez le son, les crosses, baissez le son. Ça va péter. Ça va péter. Tell me how to understand you, Ariadne. Sleep, like me, in my bed. Ça a pété. You want me to sleep with you? It's normal not to want to sleep alone. Sometimes I get scared at night. Not here. At home. Daddy, Mommy, and Elaine sleep there. When they understand. Sorry? You mean, you want me to sleep at your house? Yes. Sleep there, and listen to the song. And then you'll talk to me. Oh, who's this gentleman? Is it your daddy? No. It's Mr. Noyer. Mr. Noyer? Oula. Ah,
No, but that can't be true. Mr. Noya? Me? That's impossible. This film is almost 80 years old. What? Oh! What? Monsieur Neuer, c'est Daniel. Mais le film date de 25 ans. Il était à peine né. Ah, ça devient bien là. Oh là, j'aime bien là. Ah, là. Comment la fille a pu donner le nom de Daniel alors que Daniel était un bébé? Oh putain, les crozes. Oh putain. Oh boy. Oh boy. Ça part en couille. Oula. Hello there. Hello there. On se trouve où là? Ok, on est là. On est à droite. Ok. Je sens qu'on va mourir avec Daniel et qu'on va devoir tout recommencer, les choses. Vous sentez ou pas ça? Moi, je le sens très bien. Oh, voilà la morgue. Oh, putain, nous voilà la morgue. Scalpel. C'est encore assez coupant. Je prends. Merde, putain, il y a des morts ici. Bon, en même temps, c'est une morgue. Hein. C'est un peu le but. Oh là là, j'aime pas des décors comme ça sur des chaises roulantes, là. Ça, ça n'a rien à faire, là. Hein. Ouais, faut que je remette le courant dans la morgue. Hein. Ouais, ouais, je pense que, ouais. Je pense que t'as raison. Ouais. Je préfère pas prendre de risque, hein, vu qu'il me reste qu'une vie. On va pas prendre de risque. Oh putain! Dégage, châté! Never lived to tell the story. Oh merde, on est coincé. On est coincé, on est coincé, on est coincé. On est coincé dans cette putain de morgue. Ah non, 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 non. On n'a qu'une porte, c'est celle-là, je crois. On peut pas. Attendez. Ah, attendez, attendez, attendez. Il y a un point d'interrogation. Là. Ouais, il y a un point d'interrogation ici. Est-ce qu'on retire le bandeau? Oui. Non! Non! Faut allumer l'électricité avant! Non, la lumière! La lumière! Comment terminer un live en beauté? Ok, bon. Première chose à faire dans ce live, c'est mettre la morgue. Parce qu'on était mort à cause de cette putain de morgue. On n'avait pas mis la lumière. Du coup, là, hop, on met la lumière de la morgue. Donc, j'ai tout refait. Je crois que j'avais tout refait. Attendez, on va vérifier. Je crois même que j'avais fait le diapo. Ouais, j'avais même fait le diapo. Hein. Donc tout ce qu'on avait fait dans la première partie, je l'avais fait... Bah je l'ai fait là quoi. Et du coup vous voyez, on réincarne la nana. Hein. Je suis pas mort avec, du coup. Parfait. Bah écoutez, let's go. On était mort ici. Hein. Voilà, on avait ouvert ce machin. Et vu qu'il faisait sombre, bah, on s'est fait choper. Mais là, vu que j'ai allumé la lumière, logiquement... On croise les doigts. Hein? Logiquement, ça devrait être bon. Salut, Oli.
Ouais, ça c'est fait, Erza, la clé du piano, c'est bon. C'est fait. Allez, on y va. Logiquement, c'est bon, hein. Ah, c'est bon. Ceinture cassée. Une lanière en cuir qui ressemble à une ceinture. Ok. Et du coup, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Regardez, c'est bon. On n'est pas mort. Parfait. Du bien joué, ça. Du bien joué. Oh, diable! Oh, c'est gentil! Bienvenue à la morgue, prenez un lit. Exactement, diable. Merci beaucoup pour les 14 mois d'abonnement. Ça commence à faire, diable. Hein, ça commence à faire, hein, cette histoire. Ouais. Et à 14 mois, ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est très gentil, en tout cas. Merci. Ouais, tu dois choper au moins 5 ou 6 maladies dans ce machin. C'est clair. Tellement. Mais tellement. Bon, on se casse. Hein. Je crois que la morgue... Je crois que la morgue, c'est bon. Oh là là, putain. Alors là, je connais pas par contre. Hein. Putain, là, on découvre. Hein. On écoute bien aux portes. C'est good. Cellule rembourrée, je ne pourrais pas entendre ce qu'il se passe. Ah, merde. Merde, c'est rembourré, les crozes. On peut pas. On peut pas entendre derrière. J'ouvre pas. Hein. Je prends pas le risque. Hein. Ah non, non. Trop risqué. Trop risqué. Trop risqué. Ouais. Non. Oula. Oh non. Oh non. Je veux pas mourir. Oh non. Dégage. Putain, on est dans un couloir. C'est horrible. Dégage! Putain, pas dans un couloir, les gars! Oh, waouh, 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 waouh! Putain, il m'attaque direct. Eh. Le live commence, je me fais attaquer. Oh, attendez, je suis où là? Attendez, je suis perdu là, attendez. Ouais, je viens de là, ok. Easy, hein, t'as vu? Easy. Hein. Ah, cellule rembourrée. Ah, putain, les crozes, à tous les coups. Toutes les portes sont rembourrées ici. Ouais, à tous les coups, toutes les portes sont rembourrées. Du coup, on a chopé une ceinture cassée. Hein, et un scalpel. Faut pas oublier ça. Hein. Ça nous servira peut-être pour plus tard. Et en même temps, ça a du sens parce que des cellules dans un hôpital psychiatrique. Shit, shit, shit. Je crois qu'on y vient de là. Ouais, ouais, on vient de là, on vient de là. Ouais, c'est bon. Ouais, du coup, je disais... c'est logique que dans un hôpital psychiatrique, bah, les cellules soient insonorisées. Avec le cri des malades et tout. Je pense que... Bah oui, ils doivent insonoriser les cellules, hein. Non, non, c'est logique, c'est bien, c'est réaliste. Ah, c'est réaliste. Là, on fait gaffe parce que on n'est pas allé ici encore. Ok, hein, on a un tableau ici. La courroie qui relie... Ah, bah du coup, la courroie, je vais pouvoir l'utiliser avec ça. Oui, si je pouvais remplacer la courroie, je pourrais remettre l'ascenseur en marche, mais celle que j'ai est cassée. Oh, putain, faut la graffeuse. Vous le sentez venir ou pas? Vous le sentez venir ou pas? Je pense qu'il faut agrafer la ceinture cassée là et revenir ici pour faire marcher le tableau. Je sens qu'il faut la graffeuse. Mais est-ce qu'on va pouvoir choper la graffeuse avec ça? Ah putain, non, ça c'est un coup de la graffeuse ça. Coucou Azuna, ça va? Ah, c'est un coup de la graffeuse. Ah putain, donc l'ascenseur est là, ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va retourner au début. On va activer l'ascenseur sur le générateur. Et on va essayer de choper la graffeuse avec la ceinture. Je pense que c'est plutôt un bon plan.
Oh non. Oh putain. Ok, Toshi, panique pas. Ah, j'ai compris. Ah putain, j'ai compris, c'est bon. Ah, ça y est, je l'ai. Oh putain, les crozes, c'est un miracle. Nous la... Oh merde. Putain, je vais crever. Ah, je vais crever. Je vais y passer. Je vais y passer. Eh, c'est chaud. Oh, c'est bon. Oh putain. Oh putain. Oh putain! C'est bon, j'ai compris. J'ai compris, ça y est, on l'a. Bon, on va plus jamais mourir. On va plus jamais mourir. J'ai la technique. Ah! Ah! Mon dieu, eh, ça soulage! Oh, ça soulage! Oh, ça soulage! Santé, les crozes. Voilà, ça soulage. En fait, je vous explique. Moi, en fait, ce que je faisais. C'est que les gâchettes, j'appuyais à fond dessus. Mais en fait, il faut jauger. Il faut jauger. Et j'avais pas compris ce système de jaugeation. Et là, ça y est, je l'ai. Ah, je suis content. Ah, je suis content. Alors, est-ce que le scalpel marche? Oh oui! Boîte fermée. Une boîte métallique lourde. Oh putain. S'il y a la protection dedans, on est sauvé. S'il y a la protection dedans, on est sauvé. Comment on l'ouvre cette merde? Y'a quoi dedans? Ah, ça contient des fusées éclairantes. Si je dois les transporter, elles m'aideront au moins à éclairer les zones les plus sombres. Ah, d'accord. Ok, donc on a des fusées éclairantes. Très bien. Eh ben, écoutez, parfait. Ouais. Oh putain. Oh putain. Ah non, c'est... Hein? Ouais, Zos Who Remains Care. Ouais, c'est le prochain jeu. C'est quoi ce bordel? Attendez, là, il y a une porte qui vient de s'ouvrir, là. C'est quoi ce bordel? On va... Oh. Have I really begun to believe my patient's story? And yet, there's something that I can't explain. It might just be my mind playing tricks on me, but I've started seeing things. And I hear the music from Ariadne's music box. Ah, c'est la psy? C'est la docteure? I need to understand this. There's something threatening about this place. The candles help me make the room a bit more cozy, and the last rays of sunshine still come in through the window. But the shadows in this room make me feel uneasy. All I've done is clean off the dust from an old mattress and lie on it, without even taking my clothes off, since I don't really think I'll get much sleep in this place. The silence here is oppressive, almost solid. Aside from the still hum of the elle a été hantée par la boîte à musique. I can't hear a single thing. Where am I? Non, je vais l'incarner. C'est pas vrai. 1920, le premier rêve. Putain, on va incarner le... Alors attendez, faut que je règle un petit truc juste avant. Attendez, hein. Attendez. Am I? Putain, les crozes. Alors ça, si je m'y attendais, on incarne donc... C'est ça, c'est la docteur, hein. Attendez, faut pas que je me trompe, hein. Ah, on est dans le manoir. Ah, on est dans la maison de la famille Legrand. Mais quelle conne. Mais attendez, du coup, on incarne la... Attendez, on incarne la docteur ou la mère? On incarne la psychologue, hein, c'est ça. Hein. Ouais, on incarne le docteur. Donc le docteur a décidé de passer une nuit dans la... Dans le manoir Legrand, hein, c'est ça. Hein. Ok. Ah putain, bah là, si je m'y attendais. Bah attendez, mais ça va partir en couille là en fait.
Ça va partir en cacahuète, hein. Putain. Mais c'est la première fois qu'on est dans le manoir en 5 épisodes, hein. En 5 épisodes, c'est la première fois qu'on fout les pieds dans ce putain de manoir, hein. Bah écoutez, on sort. On sort. Comme d'hab, on écoute aux portes. Ah, la petite lui avait demandé et la psy a accepté, ok. Salut Manzelita. Ok, y'a rien, go. Quel est cet endroit? Oh, y'a un pendu là sur le cadre. Attendez, regardez là. C'est quoi ces photos là, les roses? Ah. Ah bah c'est Argos le Grand du coup. C'est le père. Le père le Grand, donc on voit qu'il s'est pendu à droite là. Pourquoi pas? Qui a mis ça? C'est quoi cette déco là? On le voit avec la boîte à musique à gauche. Regardez, on le voit avec la boîte à musique. Et à droite, on le voit, ben, un pendu, hein. Il s'est pendu, hein. Ouais. Argos le Grand. Why am I seeing him? Ah, c'est flippant. Je vous laisse lire en même temps que moi. Ça parle d'une chose. Il y a une entité, en fait. Moi, je crois vraiment que la boîte à musique, elle... elle invoque une entité maléfique. Hein. En plus de posséder les gens. C'est vraiment une saloperie, cette boîte à musique. Hein. Super la déco, ouais ça... Ah putain, il y a une tête qui est apparue là. Oh la vache, oh non. Me dis pas que c'est... Je sens que c'est notre tête. Je sens que c'est la tête de la psy. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est quoi ce délire? Oh la vache. Ah putain. It's me. Ça ne fait aucun doute, c'est moi. Ok. Bon bah écoute, moi je vais y aller, hein. Oh la vache. Ah, je fuis. Oh là là, c'est quoi cet endroit là? On voit que dalle. On a un vieux briquet tout pourri. Oh là là, je sais pas où je m'enfonce, les crozes. Je sais pas où je m'enfonce, mais je m'enfonce. On voit rien. On a une vieille bougie là, on a... Y'a rien, let's go. Ça fait flipper là, hein. Putain. Encore une salle d'exposition. Ah, c'est la même pièce, mais les peintures ont changé. Ah, mais c'est... comment il s'appelle, lui? Ben, c'est... Putain. C'est le vieux, là. Ah, comment il s'appelle, les crozes? Usher, voilà, oui, c'est Usher. Usher, ouais, exactement. Donc là, on voit Usher, encore une fois, avec cette boîte à musique, à gauche. Et la mort de Usher, comme le grand, juste avant. Sauf que Usher s'est pas pendu. Il s'est retrouvé piégé dans une pièce et il est mort... Bah de faim quoi, ou de folie. Hein. Il a très mal fini Usher, hein. Putain. Why am I seeing these people? Je n'ose pas le nommer mais je sais qu'il est ici. Il y a une présence qui me suit. De partout et nulle part à la fois. Dans les murs et les plafonds. Mais aussi enterré dans mon esprit. Creusant dans mes pensées et les peignant à la couleur de la peur. Tout devient un peu plus sombre chaque jour. Mon Dieu, que se passe-t-il? Quand il y a du silence, j'entends la mélodie. Douce, lente, belle, sombre, sinistre, terrifiante et cruelle. Si je fais attention, ces notes impossibles et ces accords surnaturels
qui ont l'écho des cavernes les plus profondes me touche sans passer par mes oreilles. Dans mes rêves, je descends vers un endroit indicible que j'aurais préféré ne jamais voir. Quand je me réveille, je me souviens seulement de la peur. Cette chose est au bout de la route. Elle est là, je sais qu'elle est là. Si c'est un endroit, ce sont les mêmes. Elle est là, non, c'est pareil, elle est quand même là. Ce n'est pas possible, elle ne peut pas être dans ce monde. Donc on parle bien du... On parle bien d'une entité, hein. Bon, alors, il y a encore une fois un visage. Putain, ça me fait flipper, ces conneries. Ah, mais regardez, il y a d'autres photos, là, j'avais pas vu. Ah, bah ça, c'est... Ah, ça, c'est dans l'épisode 1, ça. Ou 2, je sais plus. Qu'on le retrouve pendu dans sa... C'est notre pote, là. Le pote de Daniel, comment il s'appelle ? J'ai oublié les noms. L'antiquaire, ouais, c'est ça, c'est l'antiquaire Geoffrey. Ouais, c'est ça, c'est l'antiquaire au magasin. Ouais, c'est ça, l'antiquaire au magasin. Donc pareil, hein, la boîte à musique à gauche. Et la mort pendue hein, à droite. Hein. Edgar, c'est ça. Ok. Mais ferme-la. Wake up. Je suis peut-être en train de rêver, hein. Allez, on va se refaire la même pièce. Ah, Daniel. Ah, il y a des mannequins, j'avais pas vu. Oh là, ça fait flipper là. Il y a des lumières rouges et tout. Mais attendez, attendez. Oh putain, attendez. Attendez. Oh putain. Je viens de capter un truc, je sais pas si vous l'avez capté. On voit des choses sur les tableaux alors qu'on est en 1920. Ce qu'on voit sur les tableaux, ça se passe 80 ans après. Daniel, là, qui découvre la boîte à musique, la mort de l'antiquaire, la mort de tout ça, là. Ça se passe en 2000, on est en 1920, là. Hein. Pourquoi on voit des choses qui se passent 80 ans plus tard? Daniel n'est pas encore né, là. What the fuck? Rallume-moi ça, toi. C'est la vieille femme du dessin d'Ariane Ney. C'est Ariane Ney selon elle. Oh, c'est la petite fille, mais elle est vieille là. Mais attendez, mais c'est un truc de fou. C'est Ariane Ney là qu'on voit. La vieille du manoir qui reprend sa boîte à musique que Daniel lui donne. C'est Ariane Ney. Sauf qu'à l'époque du docteur, là où on se trouve, elle est encore une petite fille. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue, là. Je dois terminer, je dois le faire, je dois aller là-bas. Ah, saleté! Elle va encore me dire wake up? Wake up! Pas si fort, hein. Bon, attendez, je vous lis vite fait, les crozes. Peut-être elle est dans le monde des rêves. Bah, ça me paraît un peu surréaliste, là, ce qui est en train de se passer. Hein. Je pense que la présence est intemporelle, donc elle voit tous les possesseurs de la boîte à musique. Ouais, ça doit être ça, avocat. Moi, la question que je me pose, c'est qui entre Ariane Ney
ou Daniel, qui va mourir ou survivre? Bah les deux, j'espère. Oh là là, attention. Ouh putain, ça change. Ça change. On fait gaffe. On est aux espèces de mines là. Oh. What? What? Who's there? Ok. Donc il y a quelqu'un qui est assis sur une chaise roulante. À première vue, elle est morte. Et il y a un sac sur sa tête. Ça pue du cul. Mais on n'a pas le choix. Hein. On va l'enlever. Hein. On va se faire bouffer. On va se faire bouffer. Melted through, and the wax cylinder on the phonograph is about to run out. I saw something. I don't know what I contemplated in my dreams, but it felt so real. It almost felt like I was moving forwards, or rather downwards. But I don't know towards what. Berenice decided to investigate Ariadne's story, and she found something. I need to keep looking into this. Donc là, ça dit que le docteur a enquêté sur Ariadne et qu'elle a découvert justement bah, toutes ces choses, quoi. Ok. Yeah. Enregistrement 2 de Beneris. Un cylindre dur en cire avec une aiguille pour la gravure. Oh. On dirait l'enregistrement d'un témoignage. Je dois trouver un phonographe sur lequel je pourrais le jouer. Bah, il y a celui-là, non? Let's see what happened after that dream. Ah, voyons voir ce qui se passe après ce rêve. Ah, le phonographe est foutu. Ah. Ok, donc pour réincarner la psy dans le passé, on doit trouver un nouveau phonographe pour mettre la bobine dedans et on va savoir ce qui s'est passé bah après après l'histoire de la chaise roulante là. Est-ce qu'on a tout fait ici? Attendez, est-ce qu'on a tout fait? Je foufouille. Elaine, sœur d'Aria, morte aux côtés de sa mère. Aria était juste un bébé. Comment peut-elle s'en souvenir? Ah, mais on savait pas ça. Attendez, Elaine. Donc Aria avait une sœur. Et elle est morte avec sa mère. Ah bah oui, c'est le père qui les a... Bah oui, c'est le père qui les a... qui les a tués avant de se pendre. Le monstre serait les victimes. Je sais pas, Ego. Je sais pas encore. Mais il y a un monstre. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Là maintenant, on sait que c'est pas juste la boîte à musique, c'est il y a une entité. Il y a quelque chose. Allez, on se casse. Bon, il faut qu'on trouve un nouveau phonographe. Ah, je sais. Oh putain, j'ai trouvé. Ah, attendez, je vous dis rien, j'ai une idée. Oh merde, il se passe un truc, attention. J'ai une idée, les crozes. Je vous dis rien. Vous me direz si vous aussi vous y avez pensé. Ok, regardez. Souvenez-vous ici. On pouvait plus y retourner parce que il n'y avait pas de lumière. Mais vu qu'on a ça. Yes! Yes, mon pote. Ah bah voilà. Parfait. Putain, je suis content. At least we got some light now. Je suis content. Allez, go. Take a deep breath. Find what you need. Fast. That's the key. Ah, je peux bouger comme ça. Ah bah voilà, les gars. Ah, les protections. Oui. Oui. Oh oui. Oh, on a la proto. On a les gants. On va pouvoir prendre la graffeuse. Alléluia. Par contre, je sais pas s'il y avait autre chose. Est-ce qu'il y avait que les gants? Ou est-ce qu'il y avait autre chose? Putain, j'aurais dû peut-être fouiller un peu plus. C'est pas grave.
Ah, on a les gants. Nice. On va pouvoir prendre la graffeuse. Et prendre l'ascenseur du coup. Il est bien cet épisode 5. J'aime beaucoup. Alors, les gants, hop. Et maintenant, let's fucking go. Nous l'avons. Yes. On va combiner ça avec la ceinture cassée. Yes, j'avais raison. Donc c'était ça, il fallait agrafer la ceinture. Parfait, donc maintenant, direction l'ascenseur. Donc logiquement, ici, bam. C'est parfait. Et du coup, comme on a mis l'électricité sur l'ascenseur, ça devrait marcher. Abracadabra. How pathetic would it be if this thing falls and I die in here? Ah putain, et moi qui aime pas les ascenseurs de base, monter dans un ascenseur abandonné comme ça. Ok. Alors est-ce qu'on descend ou est-ce qu'on monte? Je pense qu'on est descendu. Hein. Shit. Hello? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, il y a un truc au sol. Je ne peux pas descendre là-dedans, ces débris bloquent l'escalier. C'est vraiment Zelita. T'as raison. Oula, attention, il y a plusieurs portes là. On peut y aller. Oh putain, on vient de trouver un phonographe. On vient de trouver un phonographe. On va repartir dans le passé du coup. Il y a beaucoup de portes, hein. Putain, la vache. Oh là 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 là, il y a beaucoup de pièces ici. Hein. Ok, direction le passé. On y retourne. On the one hand, I just want to get out of here. But on the other, I need to know what's happening. I need to understand the dreams this place causes in me. And the visions I've had these past few days. It's pitch black outside. And the old mansion is even more menacing than before. I've taken out my last two candles, but lighted only one. In case I wake up before dawn. It would terrify me to be here, alone in the dark. I'm in Ariadne's room again. C'est un rêve. Hein. Le deuxième rêve. Non mais c'est ça. Putain, en fait, elle rêve chaque nuit qu'elle se trouve, enfin qu'elle se réveille dans le manoir des Le Grand. Is this the same dream? C'est ça. En fait, elle est consciente. En fait, c'est un rêve lucide. Elle est consciente d'être dans ce putain de rêve, quoi. Ok. Bah, let's go. Oh putain, on est dans l'hôpital. Oh putain, on est dans l'hôpital. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on branle ici? Et ça, c'est le genre de rêve dont je me passerai bien, tu vois. La mort est de partout dans cet endroit. Ouais.
What? You are me. Are you Berenice? Wake up. I need to wake up. God, I need to wake up. I don't want to go there. Non, non, faut pas que je me réveille. Il y a une sale ambiance par ici, hein. L'ascenseur. La porte est coincée, Dieu merci. D'accord, donc toi tu aimes être enfermé dans un hôpital hanté. Ok. Why not? Why not? J'aime pas ça là. Mon Dieu, est-ce notre destin? Ah, encore un ascenseur ici. Je peux pas y aller. Merci Siraya. Eh putain, je suis cardiaque, hein. Je suis officiellement cardiaque, ça y est. Ah, attendez. On va parler. Are you also me, the dream catcher? Give it to me. You don't need it. Ah non, 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 non. Parce que oui, j'ai un attrape-rêve. J'ai un attrape-rêve sur moi. Sauf que le truc derrière cette porte me dit vas-y, donne-le-moi. Mais non, c'est un piège. Eh, c'est mort, hein. Il y a une serrure sur la porte. Non, 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 non. Je donne pas la trappe-rêve. Faut que je trouve une clé. Allez. Fais chier, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Y a pas de clé. Y a pas de clé. Je pense vraiment qu'il faut qu'on y aille, hein. Allez, on y va. Je fais le choix de donner la trappe-rêve parce que bah j'ai pas le choix en fait. C'est même pas je fais le choix, c'est que j'ai pas le choix. Allez. Oh! Ben voilà. Ouais, mais c'est un piège. Mais c'est un piège. Pourquoi elle nous file la clé? Parce que c'est un putain de piège! No choice, I must keep going. No choice, I just keep going. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas le choix, je dois continuer, putain. Non. La porte est bloquée. Mais c'est l'enfer ici, putain. Hop, 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 hop. Hop. Saleté. Il n'y a qu'une seule issue. Oh, j'ai cru que j'étais mort. Non, non, c'est bon, c'est pas une mort, les gros, c'est pas une mort. C'est pas une mort, c'est pas une mort. Where did that come from? What's going on? I don't like this. Bah allez, prends-le là. Mais prends-le, nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Oula. Eh, la lumière. No, that can't be. Oh putain, il y a une corde maintenant. Je vais pas me pendre quand même. Eh, hey. C'est toi la psy, hein. T'es pas dans le rôle du pendu, toi. What?
boire cette bouteille. Mais non! Mais attendez, si je bois cette bouteille, je meurs là. Salut Marco. Non, 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 il y a du poison là-dedans. Hein. Hey, c'est pas du whisky japonais, hein, ça. Ça, c'est du poison. Hein. Non. Je la bois pas. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Là, le monstre veut qu'on crève. Mais moi, je vais battre le monstre. Je vais me réveiller. Je peux pas le boire. Ah, mais putain, s'il y a que ça à faire aussi. Ah, y a pas grand chose d'autre à faire. Hein. Il n'y a qu'une seule issue. Ouais, c'est un peu ça. Tu choisis ta mort, Dragmar. Exactement. Tu choisis ta mort. T'avais le truc pour tailler les veines. Ensuite, t'as eu la corde. Et maintenant, t'as le poison. T'as plus ton attrape-rêve. Tu ne pourras sans doute pas te réveiller. Ah, oh, putain, on s'est fait niquer. Ah ouais, j'ai plus mon attrape-rêve. On est mort. Non, on est mort. La psy, c'est terminé. La psy, c'est bye-bye. C'est bye-bye. Elle est foutue. Elle est foutue. Elle est foutue. Après, le poison, c'est peut-être la mort la plus douce. Hein. Entre du poison et se pendre... Ouais, on est foutu. On est foutu. On est foutu. On est foutu. Ah, Bénédicte. Aïe, 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 Bénédicte. That was. Why would I do something like that? I know I'm closer to understanding something, to finding that last puzzle piece. But I also realize there's no turning back. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, on s'est réveillé. Broken something inside of me that can't be mended. Each dream feels closer to that place, and further from reality. It's still dark outside. It seems like the candle burned out a while ago. It must be close to dawn. Yes, it can't be long now. I have to find answers. Get to the bottom of this matter. Understand Ariadne and what is happening to me. The story goes on, and it only gets worse. Berenice, what did you find? I need to find out for myself. Ah, putain. Je crois qu'il n'y a plus de cassette, c'est fini. What? 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 Hello? Ah merde, le cylindre, on peut pas le prendre. Ah, on peut pas voir la suite. On peut pas voir la suite pour l'instant. Ok. Non, le pire c'est qu'on peut y rentrer, hein, j'entends rien. On peut y rentrer, on va y rentrer. Ah, mais oui! C'est là où on a interviewé Ariana. Je vais l'appeler Ariana. Est-ce que je dois prendre ce dessin pour le mettre dans ma collection? Bah non. Ah, c'est ici qu'elle a interviewé Ariana. La 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 la. Oh non. 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 Alors attendez, il faut qu'on sache où mettre la vapeur. Morgue, non. Salon du personnel, non. L. West. Bureau du directeur. On va revenir plus tard pour l'instant, on sait pas. On sait pas. On sait pas. Non, non, on va prendre le dessin. Je vais prendre un risque. Je vais choper le dessin. Je vais choper le dessin.
suis rentré là-dedans? Je sais même plus. Est-ce que je suis venu ici? Eh mais non, je suis pas venu, attendez. Ah putain, non, encore un puzzle. Oh, on va mourir là, c'est quoi ces énigmes là? Eh, deux énigmes en deux secondes. On peut appuyer sur son bec, ok. On peut appuyer sur les ailes, on peut appuyer sur les papattes. Ah oui, d'accord. Ah oui, non mais ils ont craqué là. Information, RT information. Elle cligne des yeux, réveillée par la faim. Cette nuit, elle écoute. Oh putain, va falloir noter. Bon, les crosses, notez s'il vous plaît, notez. Donc elle cligne des yeux, donc faut appuyer une fois sur l'œil. Ensuite, faut appuyer sur l'oreille, parce qu'elle écoute. Elle prend son envol, rapide, meurtrière, silencieuse. Donc, une aile. Putain. Vous criez pendant qu'elle vous arrache de vous-même, ça c'est le bec. Satisfaite, elle se pose sur son nid, c'est les pattes, ou la branche. Elle hurle au vent, annonçant sa victoire, c'est le bec. Sa poigne ferme vous paralyse, c'est l'aile. Enfin, c'est la patte. Ah, faut noter. Allez, on tente ce que j'ai dit. Alors, œil. Oreille. Aile. Patte. Nid. Enfin, branche. Bec. Putain, si c'est ça. Patte, bec. Aile, yeux. Oh, oh là 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 là, le talent. Putain, du premier coup. Ah, une énigme réussie par Toshi du premier coup sans soluce, c'est très rare. Là, vous vivez un moment de live qui est extrêmement rare. Ah, je vous le dis les crozins, c'est pas tous les jours que je réussis une énigme du premier coup sans soluce. Hein. C'est marqué quoi? Alan Cedreac. Parfait, on a une clé. L'un des médecins de l'hôpital. Eh ben écoute, je prends. Ah, je suis content. Merci les crozes. Ah putain, je suis content. Hein. Ouais, ça sent le karma. C'est vrai, Diable dit, ça sent le karma. C'est vrai que j'ai un peu trop facilement réussi. Moment historique. Plus rare qu'une éclipse. Oh putain, les enfoirés. Plus rare qu'une éclipse, quoi. Non, c'est vrai, vous avez raison en plus. Il va d'être dans une minute, il va rien comprendre. Putain, ouais, le karma il va se retourner, mais violent quoi. On en parle de l'énigme qui t'attend encore. Ouais, mais attends. Chut. Je suis pas prêt. Laisse-moi un peu de temps. Il y a une sorte de message coincé dans ce tube. Il doit y avoir un mécanisme grâce auquel je pourrais le sortir de là. Ah, c'est la capsule. C'est la troisième capsule du phonographe. Et bah du coup, peut-être que... Voilà, peut-être que c'est ça, du coup. L'énigme de la vapeur, c'est peut-être pour sortir ce truc. Et du coup, on est dans le bureau du... Donc, ok, donc je sais quoi ouvrir. C'est bon, on avance. Je me sens intelligent ce soir, je sais pas ce qui se passe. D'habitude, je suis très con. Ouais, c'est vrai, hein, d'habitude. Ouais, regarde, c'est lui. Le docteur Jeremy Hartwood, fondateur de cette institution. Ouais, ok. Donc c'est son bureau. C'est son bureau, donc logiquement... Ah ! Oh merde. Oh, je suis mort. Il me faut une planque. Là, sous le bureau. Oh putain!
zéro, zéro mort ce soir, les Crows. J'ai bien dit zéro mort. Ouais, le karma, mais le karma, oui, mais tu vois, je suis plus fort que le karma. Alors, utilisez, est-ce que ça marche? L'aiguille est cassée, si je ne trouve pas une autre, c'est inutile d'essayer. Alors, par contre, ouais, c'est vrai qu'on a chopé une clé. Alan Cédrac. Bah, Alan Cédrac, je te connais pas. Bon allez, on va continuer sur notre lancée du karma positif. Donc je pense qu'il faut ouvrir la valve bureau du directeur. Il faut ouvrir cette valve-ci, les Crows. Nous allons donc procéder à cela. Ah ! Oh, mais Scott, c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! GG Toshi, tu t'améliores, tu réussis une énigme et zéro mort, un petit don pour fêter ça. Ouais, mais c'est trop. C'est trop gentil, Scott, merci beaucoup. Ah, t'aurais pas dû. Bah ouais. Un gros merci, hein. Putain, 50 euros, quoi. 50 euros. Mais c'est vrai que j'ai plutôt bien joué ce soir. Je les mérite. J'ai bien joué, je les mérite. Hein. Non, c'est très gentil. Eh, merci beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup. Un gros cœur sur toi, Scott. Vraiment, hein, vraiment, gros merci. Attends, c'est pas fini, Scott, regarde. Je vais réussir une énigme, là. Je te prédis que dans moins de 5 minutes, celle-là, je la résous. Et je me concentre, hein, je ne parle plus. Ok. Donc je sais que la fumée passe par là. Mais je vais couper la fumée qui passe par là pour la passer ici. Et ici. Logiquement, je revérifie, mais je crois pas que je suis mauvais là. Attendez, hein. Ouais, c'est ça. Donc là, elle passe là. Donc là, si je coupe celle-là, elle est ici. Je coupe celle-là. Elle est bien. J'ouvre celle-là. Voilà. On s'en approche. Nous en approchons. Yes. Now I just need to check out exactly what I unblocked. Non, bah alors là, non mais là, c'est exceptionnel. Hein. Là, c'est exceptionnel. Hein. Non mais. C'est incroyable! Le karma. Non mais, c'est même plus un karma là. Hein. Non mais, demain, je vais vivre un truc horrible. Hein. Mais j'ai réussi à résoudre ça, comment j'ai fait? Le pire, c'est que j'étais trop à fond. Genre, je savais ce que je faisais. J'ai pas fait au pif, hein. Je savais ce que je faisais, hein. Oh. Merci Scott! Ah, je suis content! Ah putain, ah non mais là j'ai trop géré parce que en plus, attendez, non mais faut quand même le préciser. Hein. Eh, faut quand même le préciser. Hein. Parce que quand même, je savais déjà de base qu'il fallait activer les tuyaux dans la salle du directeur. Chose que peut-être beaucoup de streamers n'ont pas compris, tu vois. Moi je l'ai compris instant. Là en fait, tu sais, j'ai hâte d'aller voir des streams, enfin des rediffusions. De streamers qui ont fait l'épisode et de voir s'ils ont été plus rapides que moi. Je pense que je bats un record là. Je pense que je bats un record. Mais du coup, on a débloqué quoi? C'est ça le truc. Merci encore, Scott, hein, pour les 10 euros. C'est beaucoup là. C'est beaucoup. Tu es vraiment Toshi. Non, mais ouais, on peut se poser des questions, ça. Je,
Là, c'est vrai, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment moi? Je suis peut-être un clone de Toshi. Hein. Et du coup, est-ce que ça ouvre ça? Eh oui. Oh, mais j'avais tellement... J'ai tout compris. J'ai tout pigé dès le début. Je savais exactement quoi faire. Et on a le cylindre... On a l'enregistrement 3. Ah. Incroyable. Incroyable. Un alien. Non mais Voka, t'as raison. C'est... Je suis possédé. Un truc de ouf. Non mais bon, non mais on rigole, mais là, je m'améliore là. Oh putain. Truc de fou quoi. En 2 minutes, chapeau, mais ouais, non mais vraiment. Je dois être l'un des seuls. Je crois que je bats un record là. Tout streamer, tout youtubeur confondu, je crois que je suis le premier à avoir résolu cette énigme aussi vite. Hein. Je pense que tu as enfin révélé tout ton talent, il était juste enfoui et caché jusqu'à maintenant. C'est suspect en tout cas. Ah, c'est vrai qu'on peut penser que c'est suspect. Hein. Mais non, 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 stop! Mais je... Non mais... Ce que je viens d'accomplir ne vaut pas tout ça, Scott. Un gros merci, Scott. Putain, stop. Hein. Rob, puis merde, ça fera 100 en tout et puis c'est tout. Bon, faut continuer sur ta lancée là. Mais je suis tellement chaud, je te jure, je suis tellement chaud. Ça fait 5 jours que j'ai pas live. Mais je crois qu'en 5 jours, mon cerveau, il s'est... Je sais pas, il a évolué, il a pris un niveau, et voilà ce que ça donne ce soir, quoi. Merci beaucoup, Scott, hein. C'est un chiffre rond, ouais, non, ouais, c'est très bien, là. C'est très très bien, putain. Allez, on continue, oh là là, merci, Scott, hein. Moi, je sais plus quoi dire. Allez, on active l'enregistrement 3 de Bérénice Prestegar. Not that way. Ah ! Je pourrais lire le cylindre si je réussissais à remplacer l'aiguille cassée. Ah ! Ah ! Eh, je lis bien les pseudos maintenant parce qu'il y a des pièges des fois. Milk ton lait. C'est bon. Bienvenue, Milk. Bienvenue à toi. Attendez. Réfléchissons. On a une clé. Alan Cédrac. Donc ça, à mon avis, ça ouvre une porte. Hein. Faut pas être intelligent pour comprendre ça. Hein. Alors, moi, j'intuite que on doit trouver la porte. On va ouvrir la porte avec cette clé. Et à l'intérieur de cette pièce, on va trouver... l'aiguille qui nous permettra de lire l'enregistrement. Ça doit être une des trois là, regardez, là il y a 3 portes ici, c'est une des 3, j'en suis sûr. Not that way. Donc là, c'est pas celle-là. Oh ! Quoi ? Non, stop, non, il est fou ! Juste parce que Kaichou m'embête. Putain, Kaichou, qu'est-ce que t'as fait ? Mais mon anniversaire, il est passé, en fait. Regardez, j'avais raison, la clé. Regardez, la clé. Et voilà, le talent. Boum. Putain, je suis trop fort ce soir. Non, mais Scott, putain, je sais plus quoi dire. En vrai, je suis pas bien. Je sais plus quoi dire. Genre, je suis pas bien. C'est pas Noël. Non, mais Voka a raison, c'est pas Noël. C'est quoi? Il y a quoi? C'est la Saint quoi, aujourd'hui? C'est la Saint Maxime? Bon, vous saviez que je m'appelais Maxime, hein. C'est pas un secret. Hein. C'est peut-être la Saint-Maxime. Attendez, je vais vérifier. Mais c'est particulier aujourd'hui. Il y a quoi là? Le 3 juin 2020 là. Attendez. Saint 3 juin 2020. C'est quoi la Saint là? Saint Kevin.
Mais est-ce que j'ai une gueule à m'appeler Kevin? Ben non. J'ai pas une gueule à m'appeler Kevin, putain. Allez, on ouvre. Je suis trop bon ce soir, je suis content. Je suis tellement bon. Je trouve tout. On va le finir ce soir, le jeu. Non mais déconnez pas. L'épisode 3, l'épisode 5, on le termine ce soir. Ah ! Oh putain, le stéthoscope. Ben vous savez quoi, je crois qu'avec ça, on va pouvoir écouter aux portes isolées. Vous vous souvenez au début du live? Au début du live, on est passé dans des couloirs là avec des portes qu'on pouvait pas écouter derrière. Mais je pense qu'avec ce truc, on va pouvoir. Comment mourir en 20 minutes? Eh, je suis toujours à zéro mort. Hein. Ça aussi, c'est... Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh merde! Oh non! Oh saleté! Dégage de là! Putain de merde! Putain de saleté d'enfoiré! Allez, zéro mort, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vous dis, c'est le live béni des dieux. Même ce live a été béni, je sais pas. Il y a un truc, hein. C'est pas possible, hein. Tout se passe trop bien. Je te jure, ça se passe trop bien. C'est peut-être même l'un des premiers lives depuis très longtemps. Où je joue un jeu d'horreur et que ça se passe aussi bien. Non mais c'est pas une blague hein. Ah non mais là regardez, on n'entend rien. Putain c'est cette porte. Ah c'est celle-là. Ah, regardez. Ah putain, l'entité elle est là. C'est ça, regardez. Les dessins perdus d'Ariane. Regardez l'entité là, on la voit bien. Salut Mika, ça va Mika? Une seringue, un instrument utilisé pour injecter des médicaments. Alors tu vois là, encore une fois, je vais te dire que cette seringue elle sert pour le phonographe. Y a rien en dessous là. Ouais, c'est le phonographe. J'en suis presque sûr. À moins qu'on doit se piquer pour... je sais pas, hein, peut-être aussi, hein, on est peut-être une droguée. Hein. Mais je pense plutôt que c'est pour le phonographe. Du coup, je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. Vous allez me dire, que va-t-il se passer? Je vais insérer cette seringue là-dedans. Là, vous allez me dire, mais Toshi, mais pourquoi? Attends, regarde. Regarde, là je prends l'aiguille de cette seringue. Right. Tu vois, je prends juste l'aiguille. Voilà, je prends juste l'aiguille. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pénétrer le phonographe avec cette aiguille. Wow. Regarde. Oh là là, non mais c'est incroyable. Je trouve tout. Voilà. Et maintenant, on peut lire l'enregistrement 3. Alors demain, on est quel jour demain? Oui, je live demain. Demain je live les crocs, hein, 21h. Hein. Ouais, on va se faire un bon live horreur. Hein. Allez, on se concentre. That thing, the presence. That's what Argos Legrand called that horror. Now I know why. La présence, c'est ainsi que Argos l'a appelé. In the hospital, in Ariadne, it means. D'accord, ok. Everywhere. Ah, c'est ça. Maybe there's no solution. Maybe it isn't something you can just end, but maybe cut it off from everything, from this world, burn the bridge, return the song to whence it came. If I take the box to that place, if I leave it there with the presence, I need to push forward just a little longer. I need to understand. I need to put an end to this. I need to go there.
po. Donc vous avez compris l'histoire là? Vous comprenez un peu ce qui est en train de se dérouler? I need to know. I need to make it. Ok, donc voilà, nous voilà au troisième rêve. Le troisième rêve, 1920. Ok. Donc là, ça part en couille. Hein. Donc en gros, ouais, donc l'entité, en fait, dès que la musique est jouée, quelque part, dans un lieu, l'entité possède les lieux, mais aussi ceux qui l'écoutent. C'est une saleté, c'est une saloperie. Faut l'éradiquer. Faut l'éradiquer. Putain, on n'a pas de bougie. Merde, on n'a pas de lumière. Je dois descendre. Allons-y. Ouais. Et Gorial, t'as carrément raison. Et Gorial qui dit, on sait qu'elle a échoué vu que l'histoire principale se déroule 80 ans après. Bah ouais, en fait, elle a échoué. Vu qu'il y a toujours l'entité en 2000. Bonne nuit, Orion. Merci d'être passé. Bonne nuit. Dors bien. Voulez-vous que je vienne ici? Oh putain, mais on est où, là? Oh là, il y a quelqu'un. Je vois quelqu'un au fond. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Attendez, on est où, là? On est sous le manoir? On est sous le manoir, hein. Ouais. Oh putain, ça part en... Peut-être que si j'éteins la lanterne, mais n'est-ce pas moi? Que se passera-t-il si je l'éteins? Est-ce que je dois l'éteindre? Oui, tu dois l'éteindre. I'm so sorry. My God. Oh, l'entité, je crois que je l'ai vue. Oh putain, je crois qu'on a vu l'entité. Elle est sous le manoir. Hello? Dan, I don't Daniel know what this means. But I think it's important. Oh, thank God you're all right. What did you find? That doctor. I think something terrible happened to her. She wanted to take the box to a place she called there. Does that make sense? Ça se passe en dessous du manoir. I know what she meant. Listen, there's no time to waste. Ça se passe en dessous du manoir. I'll take it from here. Oh putain, Daniel va s'en occuper. Oh, Daniel reprend les devants. Oh, Danny. Ah, la vidéo best-of, ouais, c'est vrai, faut que je la mette sur YouTube. Je l'ai mis sur Twitch, pas sur... C'est vrai, car je vais la mettre bah, demain. Ouais. J'ai totalement oublié, je suis désolé. Hein. D'accord, ok, parfait. I solved this riddle. Now that I'm awake, I can put an end to this horror once and for all. Now that I'm awake, I can awake. Ok. Oh là là, ça sent bon. Faut qu'on chope la boîte à musique de Ariane. On leur a donné à Ariane la boîte à musique. Hein. La Ariane vieille. Je crois qu'il faut qu'on la rechope. C'est pas vrai. Finale. Attendez. On a fini épisode 5 ? Attendez. Merde. J'ai cru qu'on avait fini le jeu. Putain, j'ai cru que ça s'était fini comme ça. J'étais dans le mal. Je me suis dit non. Non, c'est pas la fin, je crois. Regardez, c'est marqué finale, là. C'est pas fini, les crocs, c'est pas fini. Non, là, il faut encore aller récupérer la boîte à musique chez Ariane et descendre en dessous du manoir pour se confronter à l'entité. Alors, du coup, est-ce qu'on le fait ce soir ou est-ce qu'on le fait à notre live? Parce qu'il est 23h, je me tâte. Mais tu sais, j'arrive à un âge où faut que je prenne soin de moi, tu vois. Faut que je prenne soin de... Je peux plus me permettre de manger de la merde et de boire de la merde. Si, une fois de temps en temps, mais je peux plus tous les jours. Quoi? Ego? Mais quoi? Le live du skill aujourd'hui, GG, 100 euros! Mais c'est pas... Mais vous êtes fous aujourd'hui? Main Ego. Ego qui lâche un don de 100 balles?
Par contre, tu continues, mon gros. Ah, là, Ego. Là, Ego, oui, je vais continuer, ouais. Baston. Oh, la vache. Ego, putain, gros merci. Un gros merci, Ego. Putain, je sais pas quoi dire. Un énorme merci. C'est énorme, là. Oh. Dingue. Bon, allez. On part sur le final. Ah, vous m'avez motivé, là. Allez, c'est parti pour le final de Song of Horror. Let's go! On est chaud ce soir, on est chaud! Ce soir, c'est le final! Le grand final! Ariadne would not save me. She had grown up with that melody and had developed a mind so distorted that it could withstand the horrors it saw each day. But there was another way out. To break the connection between our reality and that terrible place. To take the song and its nightmares to their place of origin. I was the only person who could do it. The only one who had heard the melody and, so far, lived to tell the story. Time was running out. The mansion was still far away, and my damned car chose that precise moment to go belly up. Everything seemed to conspire against me, but I wasn't about to give up. There wasn't much time left, but I knew I still had a chance. Bon, on y est, hein. Le grand final, c'est maintenant. On a tant attendu ce moment. Putain, Song of Horror, ça fait depuis combien de temps qu'on fait ce jeu? C'est à faire 2 mois. 2 mois qu'on a commencé l'épisode 1. Bah, tu vois, en 2 mois, putain, on est à la conclusion, quoi. Ça aurait été une putain d'aventure, quoi. On est combien sur le live, les crosses? Dites-moi un petit peu. Je vois plus le nombre. Putain, ça m'embête, ça. Faut que je règle ce problème. Hein. Je voyais le nombre avant, mais je le vois plus. Ok, c'est parti. Putain, Daniel... Il est là, finale. Oh là 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 là. On est 50, 49. Oh, c'est bien 49. Oh là, c'est génial, putain. Allez, go, Danny. C'est toi qui as commencé l'histoire, c'est toi qui vas la finir, mon pote. On a commencé ensemble, on va finir ensemble. Putain, j'espère qu'on va pas mourir. Hein. J'espère qu'on va pas mourir. Si Danny meurt, je serai deg. Je suis tellement excité. Hello. Par la fin. J'ai d'autres jeux, Célia, pour demain, t'inquiète. J'ai un bon gros jeu d'horreur pour demain. Y'a personne. Ariana n'est pas là. Elle ne répond pas, je devrais aller à l'intérieur. Putain, Ariana, elle répond pas, ça sent mauvais. Waouh. Je dois la trouver et lui poser des questions sur la boîte à musique. Putain, regardez les grosses, on est dans le manoir, c'est excellent. Le manoir des Legrand. C'est une famille très riche. Hein. Du coup, bah forcément, ils avaient un manoir de dingue. Ça ne s'ouvre pas. Alors, on n'a pas de carte. On n'a pas de carte pour le manoir. Alright. Allez, Ariana, tu te caches où? Tu te caches où, ma petite? Je peux pas ouvrir cette porte. Non, Siraya, putain, j'espère pas. Hein. Ah, si je meurs, j'espère que je recommence pas tout. Hein. Non, ils auraient abusé là. Non, on va se concentrer. C'est le live du karma. Y a pas de mort ce soir. Je vous l'ai dit, c'est zéro mort ce soir. Mrs. Legrand. Ah, elle est là. Pardon me for barging in like this, but I need that box. J'ai besoin de cette boîte. Oh putain, Ariana est là. C'est bizarre d'avoir suivi son histoire quand elle était petite et là on la voit vieille, tu vois, ça fait trop bizarre. The box, the music box I gave you. I need it. Please tell me where it is. It's box. À l'étage. OK. I promise I'll free both of us from that cursed thing. Bon, on va la laisser tranquille. Elle me fait, vous savez à quoi? Elle me fait penser à la vieille de Resident Evil 7. Vous savez, la vieille dans son... dans sa chaise roulante. On dirait un peu elle. Hein. Ah, c'est sa sœur, Elaine. C'est sa sœur qui a été massacrée avec sa mère. Et elle a la boîte à musique dans la main, putain. Complètement inconsciente de ce que l'avenir lui réserve. Bah ouais, pour elle, c'était juste une boîte à musique. Hein.
Ah, c'est vraiment tragique cette putain d'histoire là. Mais en vrai. She wants to help me. I don't need help. But she does. Oh la pauvre. Upstairs, Mr. Noyer. Dans ma chambre. In my room. Oh, elle fait tellement de la peine. J'ai trop envie de lui faire un câlin. Oh, ça me fait de la peine, je vous jure. Elle a perdu sa famille. Elle a été possédée. Enfin, elle a une vie de merde. Elle a passé sa vie en hôpital psychiatrique. Là, elle est seule dans un manoir totalement dégueulasse. Enfin, sa vie, y a rien qui va, quoi. Non, faut la sortir de là. Limite, faut la tuer, quoi. Eh, pour la libérer, faut la tuer. Ouais, elle est dans sa chambre. Faut qu'on trouve la chambre. Ouais, peut-être pas un câlin, c'est vrai qu'un câlin mais à distance. Un câlin coronavirus, tu sais, un câlin de loin. Un câlin, voilà. Elle est où la chambre, putain? Peut-être là, non? Ça ressemble à une chambre, ça. Ça ressemble à une chambre. Alors après, est-ce que c'est sa chambre? Oh mon dieu. Ah d'accord, c'est Ariane dans le... C'est Ariane qui prend sa sœur, sa petite sœur dans les bras bébé. C'est... Oh, non mais ce jeu est ouf. L'histoire est dingue. Oh là, ça joue tellement sur les émotions quoi. Ah, elle est là, cette putain de salope de boîte à musique là. Elle va prendre cher. Je vous jure. Oh putain, il va se mettre devant le miroir, il va compter. Comme dans l'épisode 2. Ouais, le câlin Bluetooth. Allez, putain, c'est parti! Where am I? Ah, putain, on est dans le sous-sol. Ah, nous voilà devant la porte, putain, ça y est! On y est! Nous y sommes! La porte de l'enfer s'ouvre à nous. Aïe, 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 aïe. L'entité. C'est trop... Non, l'épisode 5, on peut pas dire, ils l'ont géré de ouf. L'épisode 5 est énorme. Waouh, 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 waouh. J'y vais lentement parce que là, putain, regardez, c'est... L'éclipse. The box. I need to leave the box. Get out of here. C'est dingue, hein. Ce jeu est dingue, hein. Allez, on pose la boîte à musique. J'espère que Dani va survivre. See you never. Elle va apparaître. L'entité va apparaître. Oh vite Dani, vite! Allez Dani! Ouais! Oh la vache! Last. I did it. I fucking did it. Ça se finit bien? Est-ce que ça se finit bien? Putain de merde! Je veux la fin de cette histoire. Oh là là. En fait, tout c'était toutes les... tous les bras qu'on, enfin tous les corps qu'on a vus, c'était toutes les âmes que le monstre a pris en fait avec la musique. On va aller revoir Ariana. On va aller revoir Ariana. J'espère qu'elle est pas morte. Putain, j'espère qu'elle est encore en bas dans son fauteuil. J'espère qu'elle est encore en bas dans son fauteuil. Ou posséder, ouais, Drac. Allez, mamie. Est-ce que t'es toujours là? Elle est toujours là. Everything will be okay, Mrs. LeGrand. Ah,
And that song will never play in this world again. I must have fallen asleep. What time is it? C'est pas fini. It's getting late. Do you mind if I turn on the light? No. It doesn't like the light. Oh. No. La boîte à musique. The song. C'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est fini. Non, Danny, putain. Ah, c'est pas fini. Si, c'est fini. Attendez, attendez, il se passe un truc. Non, Danny, non. T'avais tout fait, mon pote. T'avais tout fait. T'avais trop géré, mec. Attendez. Oh, on s'est fait prendre. Oh, c'est horrible. On avait... Ah, oh, c'est horrible. Is that you? Sophie, help me, please. Help, somebody, help me, please. Help, let me out. Help. Putain de merde. Oh, mais c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué de toute ma vie en termes de jeu d'horreur, je crois. Non, là, c'est indéniable. J'ai des frissons, je vous jure. Mes poils, vous les voyez pas? J'ai des putains de frissons jusque dans la nuque. C'est une des meilleures fins que j'ai vues de ma vie. Putain, c'est un truc de fou. En fait, putain, Sophie, dans l'épisode 1, quand on a retenu la première porte, il y avait Daniel derrière qui essayait de sortir. En fait, les portes qu'on refermait, c'était les âmes qui essayaient de sortir, en fait. C'est énorme. Oh, chef-d'œuvre. Complètement dingue. Ouais, c'était peut-être une fausse boîte, Syria, du coup. C'était une fausse boîte qu'elle nous a indiquée. Elle nous a dit, va chercher la boîte à musique dans la chambre. Mais à tous les coups, c'était pas la bonne. Putain d'Ariana. Bon bah Danny, par contre, je suis vraiment dégoûté pour Danny. Mais c'est une fin... Je vais m'en souvenir longtemps de ce jeu. C'est le genre de jeu... Je vais m'en souvenir très longtemps. Il y aura un avant et après Song of Horror, quoi. Ouais, il y avait deux boîtes, putain. T'avais bien vu le prénom sur la... Non, j'ai pas fait gaffe, Zane. Ah, j'ai pas pris la bonne boîte. Mais est-ce qu'il y a une autre fin du coup? Ah, elles sont deux sœurs, donc peut-être qu'il y avait deux boîtes, putain, ouais. Waouh. Bah écoutez les crozes. Fin du live. Incroyable. J'ai adoré ce jeu, c'était une tuerie. Pouh, quelle fin. Le papa, il a offert une boîte à chaque fille. Putain, on s'est fait niquer. On n'aurait pas dû la croire, Ariana. Putain, il y avait deux boîtes. Bref. Je vous fais des bisous. Et à demain, du coup. Merci encore à tous. Hein. Merci pour ce live de fou. C'était génial. Des bisous. Dormez bien, les crozes. À demain. Ciao.